Salut à tous et bienvenue dans cette petite critique minute consacrée à un film d'Olivier Barou qui est pas hyper connu, qui s'appelle Safari, mais qui est pourtant un film que j'aime beaucoup. Bon, je l'ai vu juste une fois au cinéma, mais j'avais beaucoup apprécié ce film à l'époque. Donc, film d'Olivier Barou avec en acteur principal Kad Merad, même s'il y a d'autres apparitions assez sympas. Kad Merad qui joue le rôle d'un spécialiste du safari qui va emmener des gens en safari, sauf que ça fait plus de 30 ans qu'il n'y est pas allé et qu'en plus il a peur des animaux. Concept assez simple, mais film, je trouve, assez efficace dans le genre comédie d'action française, comédie d'action, comédie un peu safari, quoi, pour le coup. Là, il faut faire quoi, là? Il faut faire ça. Il est drôle, là. On va poutcher. Je fais quoi? Votre attitude est intolérable, inexcusable, injustifiable, impardonnable. Voilà, Safari, on a vu en plus une petite apparition de Omar Sy. Je me souviens que dans ce film, je crois que les gens qui partent en safari sont originaires de Beauvais. Il y a un délire comme ça. Et il y a une grosse vanne autour de la ville de Beauvais, qui est une ville en plus que personnellement, je connais un petit peu, qui est assez sympa. Mais donc, grosse vanne sur la ville de Beauvais dans ce film. C'est le petit truc en plus du film Safari. Pour le coup, c'est un film d'Olivier Barou avec Kad Merad. Donc, c'est totalement l'humour très décalé de Kad et Olivier. Si vous n'aimez pas l'humour de Kad et Olivier, c'est sûr, ce film ne vous plaira pas. Mais je me permets quand même de vous le recommander si vous aimez l'ambiance décalée de Kad et Olivier, si vous aimez un peu, Pamela Rose ou encore Les Tuches, ça peut vous plaire cette affaire. Oui, comme d'habitude, un petit commentaire si j'ai dit une connerie, si vous voulez apporter une précision. Si vous n'aimez pas ce film aussi, vous pouvez me le dire et puis vous pouvez dire ce que vous voulez, quoi, je lirai les commentaires, c'est promis.